Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Maman Oie Ours. Alors c'est un titre un peu particulier parce qu'il y a écrit, il est écrit Maman, il y a le mot Oie qui a été barré et à la place il y a écrit Ours. Alors c'est un peu bizarre, on devrait comprendre ce titre avec l'illustration déjà. On voit un animal, un ours, et puis on voit quatre petits animaux qui sont autour de sa tête. Ce sont des oies bébés. Et les bébés oies, on appelle ça des oisons. Eh bien, découvrons donc cette histoire et on va essayer de comprendre pourquoi Maman Oie a été barrée et il y a Ours qui a été écrit à la place. Maman Oie, Ours. Pour Griffin, l'oie la plus folle que je connaisse. Michel, l'ours, vit seul. C'est un ours particulièrement grincheux. Michel n'aime pas le soleil. Michel n'aime pas la pluie. Il n'aime pas non plus les animaux petits et mignons. Michel n'aime qu'une chose, les œufs. Il les ramasse un peu partout dans la forêt. Bonjour, Madame Moineau. Michel ne gobe pas les œufs crus comme les autres ours. Lui, les cuisine selon des recettes raffinées qu'il trouve sur Internet. Un jour, Michel dégote une recette d'œufs d'oie durs arrosés d'une sauce saumon-miel. Il part aussitôt chercher les ingrédients. D'abord, il attrape quelques saumons. Il extrait du miel d'une ruche voisine, car Michel soutient les producteurs locaux. Enfin, il rend une petite visite à Madame Loie dans son nid. Ses œufs, ils sont bio ? Rentré chez lui, Michel va mettre les œufs à bouillir quand le feu de la cuisinière s'éteint. Le voilà obligé de sortir ramasser du bois. Et quand il revient, une surprise l'attend. Une très mauvaise surprise. Maman ! Michel est victime d'une stupide erreur d'identité. Michel voulait des œufs durs. Pas des oisons. Il tente de changer son menu pour des sandwichs oison beurre. Mais bizarrement, il n'a plus très faim. Michel ramasse les oisons et retourne au nid. Je vais demander à Madame Loie les conditions de retour. Catastrophe ! Est-ce que Madame Loie est dans le nid ? Et non, elle a laissé un papier. De retour en avril, Madame Loie. Ah, parce que les oies sont des oiseaux migrateurs. Ça veut dire que dès les premiers jours de froid, ils s'envolent vers les pays chauds. Et là, Madame Loie sera de retour en avril. Elle est partie dans un pays chaud et elle reviendra en avril pour le printemps, quand il refera à nouveau un peu plus chaud ici. Alors, je continue. Catastrophe ! Madame Loie a migré vers le sud en avance cette année. Mais ça ne change rien pour Michel, qui abandonne là les petits et rentre chez lui. On dirait que Michel est suivi. Maman ! Maman ? Michel prend un air sévère pour dire « Allez-vous-en !» et « Je ne suis pas votre mère !» et aussi « Je vous aimais mieux quand vous étiez des œufs !» Michel en a assez et se montre extrêmement grincheux avec les oisons. Rien à faire. Les oisons continuent de suivre leur mère, même si cette mère est un père
et que ce père est un ours. Maman ? Maman ? Coincé avec ses quatre oisons, Michel essaie de faire au mieux. C'est un sacré boulot. Burk, bah, pouah. Les saisons passent. Michel voit ses assommants oisons grandir. Oison agaçant, oie adolescente déprimée, jeunes oies adultes sans intérêt. Un après-midi d'automne, l'ours voit passer un grand vol d'oies sauvages vers le sud. Enfin, il va pouvoir se débarrasser de ses protégés pour faire une bonne grosse sieste hivernale. Oui, parce que l'ours, contrairement aux oies, il ne migre pas, lui. Il hiberne, ça veut dire qu'il s'endort pendant l'hiver. Et donc, s'il est coincé avec ses oies, il ne pourra pas s'endormir l'hiver, il ne pourra pas faire sa grosse sieste hivernale. Donc, il a envie que les oies migrent. Michel explique aux oies le principe de la migration. Mais les oies ne l'écoutent pas. Michel a vraiment envie que les oies s'en aillent. Cela le rend très créatif. Mais rien ne fonctionne. Les oies ne veulent pas quitter Michel. Ah, soupir. Alors Michel fait ses bagages et emmène ses oies à l'arrêt du bus. Le bus pour Miami. Maintenant, chaque hiver, Michel et ses oies rejoignent le sud ensemble. Ils se la coulent douce sur la plage et Michel rêve de nouvelles recettes à base d'ingrédients qui n'éclosent pas. Miami, c'est dans le sud, c'est un endroit où il fait chaud. Au lieu d'envoyer les oies migrer, il a migré avec elles. Maman ? L'histoire est terminée.